Il y a quelques semaines, Oli m'a contacté sur Insta et m'a demandé un truc du genre « Yo Nico, est-ce que ça te dirait d'animer des chaussettes pour notre marque Visionnaire ?» Et je lui ai demandé « Est-ce que tu aurais pas une petite prod sur laquelle je pourrais animer en rythme dessus, souvent ça me donne des idées comme ça. » Et du coup, ils m'ont envoyé cette prod-là et ils m'ont dit « Voilà, on aimerait bien une animation autour des 30 secondes. » Et quand j'ai écouté la prod, bah déjà elle est très légère, tu vois, il y a seulement quelques petites sonorités. Et c'est chaque fois plus ou moins les mêmes boucles qui durent 6 secondes. Donc je me suis dit, déjà il y a 6 modèles de chaussettes, mais il n'y en a vraiment que 3. C'est chaque fois une déclinaison couleur. Donc il y a 3 modèles, une boucle dure 6 secondes. Bah, disons que je prenne 2 boucles par modèle de chaussettes, et je fais 3 petites animes à la place d'une seule. Et puis je me suis dit, est-ce que ça serait pas cool si je faisais 2 trucs différents? Donc pas obligé d'animer que la chaussette. Par exemple, la première boucle, je pourrais faire en papier, genre c'est la création du design de la chaussette. Et sur la deuxième boucle, elle apparaît par-dessus. Et la chaussette s'anime en montrant la déclinaison de couleurs. Une fois que tout est plus ou moins clair, je prépare tout ce qui est en papier. Après, je descends tous les papiers, j'installe le petit matériel, l'appareil photo, etc. Puis je peux commencer à animer. Et même si c'est en stop motion, vu que j'aime bien garder la fluidité, ben je fais 25 photos par seconde. C'est juste que le problème, c'est que j'ai envie Maintenant que l'animation est terminée, il ne reste plus qu'à effacer les supports et retoucher les couleurs. Et voilà, je vous laisse sur une vidéo de mon animation avec et sans retouche. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne.